Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour commencer le colis numéro 16 du Megazord avec les numéros 54 et 55. Donc comme d'habitude, on va commencer par feuilleter les magazines. Donc dans le 54, on va commencer le châssis avant gauche du Triceratops, vu qu'on est un peu sur la partie Triceratops en ce moment. Dans les dossiers d'Alpha 5, on parle de la famille des Power Rangers en nous disant que l'essentiel de la famille qu'on voit, c'est les cousins et les cousines qu'ils essayent d'aider. Dans cette semaine, dans les Power Rangers, on nous parle de l'épisode 57 de la saison 1, donc l'enlèvement de Kelly, qui est la cousine de Kimberly. Et on nous présente du coup le méchant de l'épisode, le Lézarator. On a le résumé détaillé. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de la guerre qu'il y avait entre Power Rangers et la série Beverly Hills, parce que les deux s'intéressaient aux problèmes des jeunes. Voilà. Et dans le numéro 55, on continue le châssis avec une petite pièce qui rappelle ce qu'on a eu la dernière fois. Donc une pièce toute seule, qu'on va venir assembler. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle de mon entraîneur adoré. Donc que tous les Rangers ou Ernie qui aident les autres à s'entraîner. Donc les différents maîtres aussi qu'on a vu passer dans la série. Dans l'épisode sur le terrain, qui est justement en lien avec le dossier d'avant, on nous parle du coup de l'épisode 58 de l'équipe de football du lycée qui est en train de se former. Et on a le vilain de la semaine, du coup, le Rhino Féroce. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de la saison 7, 8, je sais plus, les Power Rangers dans l'autre galaxie. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces qui sont plutôt imposantes, hein. On voit pas, mais voilà, ça prend quasiment toute la largeur du cadre, donc on va les ouvrir. Et du coup, on va commencer ici. On a pour le numéro 54, on a en 1 la partie supérieure de la connexion avec le corps, donc là on a que des pièces en plastique. En 2, on a le côté gauche du châssis, qui est pas mal. Hein. En 3, on a les chenilles de la roue avant. En 4, on a le panneau intérieur des roues avant. C'est celui-ci, oui. Tac. En 5, on a le support des roues, qui est du coup cette pièce-là. En 6, on a les roues avant. En 7, on a les pièces de connexion des roues, qui est cette petite pièce-là. En 8, on a le panneau extérieur du châssis, qui est là, qui est très sympa. Ça fait un peu reflet, c'est stylé. Enfin, ça fait 3D, je veux dire. Et en 9, on a les plaques de l'enjoliveur extérieur. Ici. Et on a des vis. Alors ça, on n'en aura pas besoin tout de suite. On a des vis pour PWM qui sont grises. Des vis PWB qui sont avec. Et des grosses vis PB. Ici. Et dans le numéro, dans le numéro 55, du coup, on a le couvercle arrière du côté gauche du châssis qui est en métal, hein, comme l'autre de la dernière fois, et les vis PWM qui vont avec. Et du coup, on va avoir besoin de ce qu'on avait gardé du numéro 53. Donc pareil, la partie avant, là.
Et pour commencer le montage, il faut qu'on récupère aussi notre tête de Triceratops et le montage qu'on avait fait avant aussi. Je sais plus si c'est ce qui restait du 54 aussi. 53. Toujours est-il que du coup, on vient prendre cette pièce-là, donc la pièce de connexion, et on nous dit de venir coincer ce téton-là dans le trou ici. Voilà, ça doit dépasser. Et ensuite, on nous dit que ça, le téton qui dépasse ici et celui-là, doit venir s'emboîter ici et ici. Là, et on doit venir les visser par en dessous. Donc ici et là. Oui, ici et là. Avec deux vis PB. Donc les grosses vis. Et du coup, voilà. Et hop, touc. Je vous laisse imaginer la taille du pied. Hein. Du coup, ça devrait être comme ça, je pense. Parce que là, c'est pas censé toucher par terre. On va le laisser comme ça pour l'instant. On peut laisser ça de côté maintenant. Et on vient prendre notre enjoliveur extérieur. On vient prendre la pièce du numéro 52. Du numéro 53. Et on va venir le fixer ici. Avec juste une vis PWM tout en haut, ici, qui va venir se visser jusqu'ici. Donc voilà, on vient ensuite prendre la plaque du panneau extérieur, enfin le panneau extérieur, on vient le mettre ici même. Et pareil, on vient le fixer ici et ici avec deux vis PWB. Là, et ensuite on vient prendre les deux petites plaques qu'on a ici. Et on vient les enfiler ici. Et voilà. Hop. Et on passe du coup au montage du numéro 55. On vient continuer du coup avec nos pièces du numéro 54. On vient prendre les chaînes. La chenille. Ces deux pièces là. Et du coup on nous dit de prendre ça comme ça. De venir y mettre ça dans ce sens là. Et que ça doit aller comme ça pour qu'en fait ça vienne s'emboîter correctement à ce niveau là. Là on a
Ça ressort à... On a une partie qui ressort. Du coup, on peut venir coincer ça dedans. Et après, on vient mettre ça par-dessus. Et on vient visser les deux en haut avec des vis PB. Voilà. Ensuite, on nous dit de venir prendre les roues qui étaient là. On a les 1 qui sont les grosses, les 2 qui sont les petites roues. Les grosses vont sur l'extérieur, les 2 petites vont à l'intérieur. Ok, bon c'est cool, ça s'enfonce plutôt bien, c'est sympa. On vient reprendre le châssis, on vient mettre les roues par-dessus, comme ça, faut que le téton bah, rentre là dans dans le creux. Et on vient prendre la pièce qui nous reste du numéro 54. Là, on a deux petites fentes, enfin pas de fentes du coup, deux petites... parties qui ressortent, qui viennent se mettre là dans les fentes justement. Et ça, le trou là-bas qui doit correspondre. Et on vient visser une nouvelle fois avec une vis PB ici et ici. Voilà, il faut peut-être pas trop serrer celle du bas parce qu'en fait c'est les pièces quand il n'est pas en mode... En mode pâte, les roues doivent descendre. Et quand il sera en mode pâte, ça fait remonter les roues. Donc voilà. Et pour finir, on vient prendre notre cache de ce numéro, qu'on va venir mettre ici. Et qu'on va venir tenir avec trois vis PWM, ici, ici et ici. Et voilà qui termine ce numéro. Donc quoi, ça fait une belle avancée. Ça fait du bien d'avoir un peu de métal quand même, hein. Et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.